Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Philippe Mandier, qui est le PDG fondateur de TC Transport Adapté. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à vous. Merci de votre invitation. Avec Je suis très plaisir. heureux de partager ce moment avec vous. Oui. Avec grand plaisir. Est-ce que Philippe, vous pouvez vous présenter et notamment vous présenter le parcours jusqu'à la création dans un premier temps de TC Mais, Transport Adapté? alors, TC Transport Adapté, c'est une entreprise adaptée avant tout. C'est très important, donc qui accueille 60% de travailleurs handicapés dans l'entreprise. Et nous réalisons des transports de personnes à mobilité réduite avec des salariés reconnus travailleurs handicapés. Et c'est notre seule activité. Donc, au niveau français, on est la première entreprise à avoir uniquement cette activité-là, en mono-activité, transporteur donc de l'économie sociale et solidaire. Voilà, très important. Très bien. Vous êtes ESUS, c'est ça le statut de l'entreprise ou non? C'est. Alors, au départ, c'était une SAS. J'ai Ouais. commencé tout seul, moi, dans l'entreprise. Mais effectivement, l'entreprise adaptée est un agrément, un dossier avec des objectifs qu'on obtient avec le préfet de région. Voilà. Donc, on a des objectifs chaque année d'accompagnement socio-professionnel et de sortie positive des emplois de travailleurs handicapés. D'accord, très bien. Alors, on reviendra sur l'activité de Oui, bien l'entreprise, sûr. mais ce qui m'intéresse aussi, du coup, c'est votre parcours. Encore une fois, qu'est-ce qui vous a amené à créer l'entreprise? Comment est-ce que vous êtes tombé dans l'entrepreneuriat et notamment Voilà, oui. celui-là? Alors, je suis pas tombé tout petit dedans, comme certains. J'ai fait, donc ça va faire 40 ans que je travaille, mais il y a 30 ans, pendant 30 ans, j'ai été salarié. J'ai commencé à des postes responsable marketing, directeur commercial, directeur de développement. Toujours dans le transport marchandises au tout début, et puis ensuite chez Keolis, et puis Carrefour Libert, etc. Et puis dans d'autres sociétés que j'ai vues fonctionner, dont certaines qui n'existent plus, et qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs vis-à-vis de leurs clients, les clients, les donneurs d'ordre, les conseils départementaux, les établissements, et ni même leurs salariés. Était juste là pour faire de l'argent. Et moi, ça, quand j'ai vu ça, je ne voulais absolument pas reproduire le schéma. Et les deux premiers salariés que j'ai eus étaient eux-mêmes des personnes RQTH. Et on a commencé avec deux salariés. Enfin, j'étais tout seul au début, puis deux, puis trois. Et la progression s'est faite assez rapidement au fil des années. Donc, il y a eu un déclic spécial, parce que j'imagine que la frustration, elle s'est accumulée, peut-être au fur et à mesure, mais il y a peut-être eu un moment de déclic. Oui, alors on a commencé sur le secteur de Saint-Genis-Laval, Mornant, le pays mornantais en transport à la demande. Et puis le premier déclic, ça a été la première rentrée scolaire où on a eu les premiers marchés de transport scolaire d'enfants handicapés, enfants et adultes et étudiants handicapés dans la Drôme. Donc là, on travaillait sur Nyons et sur Die. Et puis ensuite, on a eu les premiers contrats avec les établissements. Voilà. Mais comme j'étais pas très connu, même pas du tout connu, il a fallu 3 années, on va dire, de prospection commerciale pour commencer à développer. Et après, le bouche à oreille a suffi. Aujourd'hui, ça fait des années que je ne fais plus de commercial. On répond bien sûr à des appels d'offres, à des consultations. Mais je ne vais pas chercher des clients, on travaille plutôt avec des accords cadres. On travaille avec le siège social d'une association comme ADAPEI, Tinova, etc. Et on essaye d'étendre ça sur Rhône-Alpes, voilà, ou sur le département pour certains. Donc voilà, on travaille de cette manière-là aujourd'hui. D'accord. Et donc, un peu plus en détail, donc qu'est-ce que propose l'entreprise? On a compris donc du transport, notamment pour les personnes à mobilité réduite, mais qui sont, est-ce que les usagers sont les clients? À qui est-ce que vous vous adressez? Vous parliez d'appel d'offres. Qui sont les clients? Qui fait appel à vous? Qui Oui, vient vous oui. voir en fait Voilà. En fait, on a deux activités et deux types de clients, mais les usagers ne sont pas nos clients payeurs directs.
OK. On a à peu près deux tiers de notre activité, pour faire simple, ils sont avec les établissements médico-sociaux, qui eux sont conventionnés avec l'ARS, l'État, etc. Donc, ce sont des accueils de jour, des maisons d'accueil spécialisées, des IME, des IM, qui accueillent les enfants et les adultes handicapés ou polyhandicapés le matin. Et on les emmène le matin et on les reprend le soir, après leur journée, leur activité, leur éducation, leurs soins. Ça, c'est important. Donc là, on les transporte aussi bien avec des véhicules de 9 places ou des véhicules aménagés jusqu'à 5 places fauteuil. La deuxième activité, c'est du transport qu'on appelle scolaire et handicapé, enfin, scolaire handicapé avec les conseils départementaux. Donc, on travaille avec la Drôme, l'Isère, le Rhône, l'Ardèche. Et donc, on est implanté sur plusieurs dans plusieurs agences, pardon, Valence, Grenoble, etc., en Rhône-Alpes. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes 200 salariés et je me suis associé avec un autre transporteur spécialisé qui est une SCOP, qui s'appelle Titi Fleury. Et tous les deux sur Rhône-Alpes, on représente pas loin de 500 personnes. D'accord. Nous-mêmes, c'est à peu près 6 millions de chiffre d'affaires et à peu près 7-8 pour le groupement SCOP, Titi Fleury et TC Transport Adapté. D'accord. Et alors, sur les 10 dernières années, donc de 200 salariés, c'est une belle histoire, une belle progression. J'imagine que le rôle d'entrepreneur de la création à 2-3 personnes et maintenant à 200 n'est pas tout à fait le même. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah oui, ça c'est sûr que ce n'est pas du tout le même. Les 4-5 premières années, effectivement, je m'appuyais sur mes compétences, mon expérience de développeur, de mise en place. Et aujourd'hui, ben, effectivement, dès qu'on a dépassé les 35-40 salariés, on a construit petit à petit un staff administratif avec de l'exploitation, de l'ARH, de la gestion de parc. Et aujourd'hui, l'entreprise arrive à travailler sans que je sois forcément aux manettes en permanence. Chacun est autonome, chacun sait ce qu'il a à faire, mais ça a demandé un investissement personnel considérable. Mais mon métier de base est devenu effectivement un métier où j'ai des rencontres avec les banques pour faire des crédits, pour négocier ma trésorerie avec les constructeurs automobiles pour faire mes commandes de véhicules avec les assureurs, etc. Donc, notre métier s'est vraiment étoffé. Mais je dirais, le plus difficile aujourd'hui, ce n'est pas tellement cette partie-là, c'est vraiment la partie management. Des hommes et des femmes, quand vous avez 200 personnes aujourd'hui, il n'y a pas une semaine, voire une journée où il ne se passe pas un problème avec quelqu'un dans l'entreprise qui fait pas assez bien son travail, qu'on doit reprendre sur ses objectifs, qu'on doit revoir en disciplinaire, voilà. Et ça mobilise beaucoup d'énergie aujourd'hui, aussi bien en RH qu'à mon poste aussi. Et on s'éloigne effectivement de ce que moi je sais le mieux faire. Et je le regrette quand même aujourd'hui. Quand même. Et, Des métiers alors très c'est vrai que moi différents, ouais. je vais avoir 60 ans cette année, mais j'aurai 20 ans de moins. Je suis pas sûr que c'est ce poste-là qui me passionnerait le plus. Ouais, intéressant. Ouais, c'est des métiers qui sont très différents. Nous, on amène beaucoup les dirigeants à aussi se positionner et à savoir ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'entreprise et se rendre compte que le métier va évoluer et de se dire est-ce que je pars dans cette aventure-là? Parce qu'effectivement, ça ne sera pas forcément la Ouais, même chose, même si après. Certains peuvent dire bah, non, je vais monter l'entreprise, puis la revendre, puis je recommencerai c'est du ça. début. Ça peut être, mais ouais, c'est des métiers très différents. Et la plus grosse difficulté, c'est la solitude quand même du dirigeant, parce que quand j'ai créé l'entreprise, j'étais tout seul. J'avais 100% du capital. Aujourd'hui, j'ai fait rentrer à 49%.
100%, comme je vous ai dit, mon associé. Et ça m'a apporté une bouffée d'oxygène parce qu'on a travaillé avec un groupe qui était beaucoup plus structuré que moi. On travaillait en CODIR, en comité de direction tous les mois, en échange. On peut mettre à plat nos difficultés et vraiment, ça soulage. Sinon, il y a de quoi devenir. Voilà, il y a de quoi se rendre malade si on veut, si on peut. Ouais. Ouais, alors Donc, il y il a faut prendre du CODIR et puis recul. là du coup ouais, même board, c'est-à-dire de ne pas être seul aussi parce qu'il y a tous des sujets qui sont plutôt les sujets de propriété de l'entreprise qui sur lesquels potentiellement la solitude est encore plus forte que sur les sujets de direction d'entreprise, même si souvent les deux sont portés par la même personne, mais ouais, les Ouais. sujets de propriété d'entreprise sont souvent solitaires. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a quelques années, donc il y a 2 ans, on a signé ce pacte d'associés qui me permet de préparer effectivement la pérennisation de l'entreprise. Parce que, bon, ça aurait été dommage de s'obstiner à garder cette entreprise et de se fatiguer, de vieillir avec, alors qu'il y a des gens peuvent l'apporter. Et surtout, l'objectif avec la SCOP Titi Fleury, c'est de transformer l'entreprise de l'OBTC Transport en SCOP. OK. Voilà, donc c'est aussi une façon d'intégrer tous les salariés dans le capital sur un horizon de 5 à 8 ans. Ils vont prendre des parts dans le capital de l'entreprise, on va avoir une façon de gérer qui sera complètement différente. Donc là, une SCOP entreprise adaptée dans le transport PMR en France, eh bien, ça lui donne une vraie raison de se différencier, et puis voilà, et je serais content de la voir exister dans quelques années encore, D'accord, très, très même bien. Et si je donc, suis plus là. effectivement, on connaît assez mal bah, quand on n'est pas dans le milieu de l'ESS ou le format SCOP. Hein. Donc, c'est bien une SAS ou une SARL qui est détenue par, d'une certaine façon par ses salariés, entre autres. Mais Voilà. c'est bien une entreprise dans son fonctionnement comme les autres. C'est le système actionnarial qui est bien spécifique et ça entraîne derrière des sujets de répartition de valeur, etc. Ou en tout cas, Voilà, et la c'est avec. répartition effectivement de valeur et de résultats quand il y en a est obligatoire à hauteur d'un tiers quand même pour les salariés et les personnes qui ont investi dans le capital. Ce qui n'est pas du tout le cas pour trouver, même s'il y a des plans de reversement de dividendes ou de résultats dans le SAS classique. Là, il y a une vraie obligation et les valeurs de l'entreprise sont partagées au niveau de tous les salariés, les conducteurs, et ça leur donne une vraie motivation supplémentaire. Très bien. Et alors, qu'est-ce qui a été le. Vous parliez du fait que l'entreprise fonctionne sans vous et puisse fonctionner, y compris après votre départ sans vous. Qu'est-ce qui a été potentiellement le plus difficile pour arriver à cette étape d'une entreprise qui fonctionne sans son fondateur? Ben, ça a été déjà de recruter et de trouver les bons responsables de service. Et ensuite de trouver quasiment 2 ou 3 fois par an, pendant quelques années, il fallait qu'on se repose la question de la structure, de combien, où on mettait les moyens, où est-ce qu'on recrutait des nouvelles personnes, parce qu'aujourd'hui, dans les services à exploitation, ils sont 4, au parc, ils sont 3, à la RH, ils sont 3,5. Elles ont commencé, il y en avait une demi par-ci, une par-là. Donc la réorganisation, elle est constante. On est sans arrêt en train de se reposer des questions. Toi, ton objectif cette année, c'est ça. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui te manque pour réussir? Alors, il y a les fameux entretiens annuels, mais ça, c'est un peu pipeau parce que nous, on les fait toutes les 3 heures, quoi, les entretiens. Ouais, c'est un peu Et long si une on fois par an, fonctionne ouais. pas comme ça, on marche pas, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, oui, il faut formaliser bien sûr tous les ans, etc. Mais voilà, le plus dur, c'est de structurer au bon moment, faire des paliers et que les frais généraux puissent être supportés par l'entreprise et de générer quand même un résultat positif. Bien.
Ok, et du coup, aujourd'hui, il y a des managers de managers aussi, donc ça, c'est peut-être une des parties du tout le monde. Est-ce que vous connaissez tout le monde? Est-ce que ça a été un changement aussi? Alors, je connais un peu moins tout le monde, mais effectivement, on a, dès le départ, moi, j'ai mis en place des managers terrain, des référents, donc des super conducteurs, on peut appeler ça, je ne sais pas, qui, dès qu'ils avaient une équipe de 5 à 10 personnes dans un établissement, ils étaient le maillon, l'intermédiaire entre l'établissement et la direction. Donc voilà. Et puis, effectivement, on forme ces référents, on forme nos agents de maîtrise à encadrer. C'est complètement nouveau, oui. C'est 2, 3 ans qu'on est obligé de faire ça. Ok. Et quel est le, bah, peut-être un apprentissage ou alors une surprise au choix entre ce à quoi vous vous attendiez avant d'entreprendre et la réalité des plus de 10 dernières années? En fait, mes enfants me font toujours la remarque parce que, en fait, aujourd'hui, dans le logo de l'entreprise, vous avez un papillon. Donc, qui avait été construit, dessiné par ma fille et mon fils. Et au tout début, j'avais eu un article dans la ville de Caluire, j'étais là-bas. Le siège social était là-bas. Et je disais, oui, mais l'entreprise va rester à taille humaine, ne dépassera jamais les 50 personnes. Voilà. Dès qu'on se voit, ils me disent, ah ouais, tu ne dépasseras pas 50 personnes, hein, d'accord. Donc, ça a été ma surprise parce qu'en fait, le développement est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. On a été pas victime, mais on a organisé le développement avec tout ce qui nous arrivait de l'extérieur, de positif, hein, et on a effectivement une image de marque qui est plutôt très appréciée aujourd'hui. Très Voilà. bien. En dehors, parce que faire du transport, mettre des véhicules et des conducteurs, tout le monde le fait, c'est ce que je dis tout le monde, toujours à mes conducteurs et à mes référents. Mais après, si vous le faites, mais derrière, vous partez en retard, vous arrivez, vous faites mal le truc, vous sanglez mal le fauteuil dans le véhicule. La différence, elle se fera dans le service que vous allez apporter à la personne. Voilà. Donc, si on n'est pas bon là, on ne sera pas bon. On ne sera pas retenu et on va perdre des marges. Très bien. Alors déjà partir avec une idée d'une entreprise à taille humaine à 50, pour les personnes que j'ai eues au micro, il y en a pas mal pour qui une entreprise à taille humaine, c'est 10. Donc il y avait déjà un germe intéressant dans le point de référence. Est-ce qu'il y a une... On arrive déjà vers la fin de l'interview, c'est un format assez court. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, un sujet sur lequel vous avez envie de vous exprimer? Bah, je dirais que oui, autour du handicap, je pense que, enfin, moi je suis baigné dedans, dans tout l'environnement de l'entreprise adaptée, mais le message, j'ai 120 personnes aujourd'hui RQTH dans l'entreprise, dont moi qui ai une reconnaissance de travailleur handicapé. Il faut pas que les entreprises freinent au moment de l'embauche d'un salarié RQTH. Au contraire, il faut qu'elles dépassent ce seuil des 6%, qu'elles se focalisent pas, qu'elles donnent la chance à tout le monde, même avec un déficient intellectuel. Une personne sourde ou on en a dans l'entreprise. Donc, aux malentendantes, on arrive à les faire conduire. Donc, tous les postes sont ouverts. Donc, voilà, je dirais, ouvrez-vous au monde du handicap et vous verrez que ça apporte des éléments très, très positifs. Les vraies valeurs de cette entreprise, c'est de pouvoir, effectivement, mon vrai bonheur, c'est de pouvoir mettre en insertion professionnelle des gens qui ne travaillaient plus depuis 2, 3 ans. Donc, et qui n'auraient pas trouvé de poste de travail. Donc, on les choisit pour leur personnalité et ensuite on les forme au métier, mais pas l'inverse. Voilà. Ça. Ok, est-ce Et qu'il y a après, c'est. peut-être un canal, un organisme de référence, des gens qui aident une entreprise qui s'en fait toute une montagne et qui dit ok, ça me donne envie, mais comment on fait, etc. Est-ce qu'il y a des associations, des organismes Alors oui, au d'État? niveau du handicap, c'est le groupement des entreprises adaptées, c'est l'UNEA, l'Union D'accord. nationale. Après, la CCI, moi, au départ, m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai fait des budgets avec eux.
des moments difficiles. Donc oui, il faut se rapprocher des organismes officiels, chambres de commerce, et des personnes comme vous qui pouvez aider les entreprises avec du recul. Voilà, c'est très important. Bien s'ouvrir aux autres, parler à ses pairs, parler Ouais. aux organismes, aux associations et... Ouais, et puis transmettre. Moi, après, si je vais bientôt arrêter mon activité dans les 2 ans qui viennent, mais moi, si je devais faire encore quelques piges, ça serait plutôt au niveau, effectivement, de donner des conseils, un peu d'accompagnement, des choses comme ça. Et partager, voilà, partager. Parce que, voilà, quand on a 40, 45 ans d'expérience, c'est toujours intéressant de transmettre. C'est ce qu'on essaye de faire un peu effectivement Ben oui, avec voilà, cette c'est série bien. en donnant la parole à différents entrepreneurs qui ont tous des histoires passionnantes à nous raconter. Merci beaucoup Philippe d'avoir partagé votre histoire, d'avoir fait découvrir l'activité, d'avoir aussi sensibilisé les entrepreneurs à s'ouvrir, à avoir des personnes à mobilité réduite. Il y avait une phrase que je vais peut-être l'écorcher, mais on a tous des handicaps, certains plus importants que d'autres. Je ne sais plus où j'ai entendu ça ré récemment. Et donc, voilà, être conscient de ça et s'ouvrir à C'est dire ça. sûr. Donc, merci pour ce partage. Bah, merci Benjamin et puis au plaisir. Avec grand plaisir, merci Philippe. Et à bientôt à Bonne tous sur un journée. nouvel épisode de Nous Entrepreneurs.